Paris, un soir du mois de septembre. Les étudiants de l'ISFJ Promotion 2016 se retrouvent une dernière fois pour recevoir leur diplôme de journaliste. L'occasion aussi d'écouter les derniers conseils de l'équipe enseignante et de leurs prestigieux parrains. Maintenant, vous devez persévérer. Vous avez le sentiment d'avoir fait le plus difficile, mais je pense que c'est le plus dur qui commence pour vous. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Bien souvent, c'est l'envie. Cette envie, elle est essentielle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vous battre sur le terrain. Quand la porte est fermée, ben, vous devez aller voir s'il n'y a pas une porte sur le côté, s'il n'y a pas une fenêtre derrière, si elle n'est pas entrouverte. Et c'est à partir de ce moment-là que vous deviendrez vraiment journaliste. Quand on commence dans ce métier-là, il ne faut rien lâcher. C'est un métier qui est très dur. Il y a beaucoup de candidats, peu d'élus. On demande une disponibilité de tous les instants. C'est du H24, 7 jours sur 7. C'est une passion, c'est sûr, mais il faut tout donner dans son métier, mais il ne faut pas oublier de vivre. Voilà. Et bravo à vous pour ce diplôme. Après les discours officiels, place à la remise des diplômes des promotions Bachelor 3 et Master 2. Marie, Claire Jo. Le précieux sésame n'est plus très loin. Je suis très content, là, fraîchement diplômé, donc du coup c'est l'aboutissement de 2 années de formation ici à l'ISFJ. C'était très enrichissant, on a rencontré des personnes super, que ce soit au sein de nos promos ou même avec les formateurs. Donc non, très content, que du positif. Puis ça a été aussi une belle année avec de belles rencontres à l'école, également en rédaction. Voilà, je garde d'excellents souvenirs avec mes camarades de promo. C'est l'aboutissement de 5 années de travail, d'un objectif que je m'étais fixé depuis le collège, donc c'était de devenir journaliste. Donc là, ça y est, les portes s'ouvrent. C'est maintenant à eux de jouer, même si l'équipe enseignante de l'ISFJ restera toujours en contact avec eux. Alors après l'école, nous, on essaye de suivre les étudiants. On dit toujours que l'école, c'est le premier réseau des étudiants, les anciens, les formateurs, nous, voilà, tout ce cercle-là, c'est un réseau pour les étudiants. Et on a le club des anciens, donc avec tous les anciens de l'école qu'on essaye de faire travailler ensemble. Grâce à l'ISFJ, les journalistes récemment diplômés vont pouvoir se prévaloir évidemment d'un diplôme, mais aussi se prévaloir d'une expérience apprise à l'école et d'une expérience apprise avec tous les professionnels qu'ils ont rencontrés. Et je pense que c'est ça vraiment leur force. Et puis au-delà de ça, ils ont aussi leur personnalité et c'est ça aussi qu'ils vont mettre en avant pour devenir des journalistes. Ces 2 nouvelles promotions viennent donc de rejoindre le réseau des anciens qui cumulent déjà plusieurs centaines de professionnels en poste dans de nombreux médias.